commencer tout de suite le match. Bon, alors j'ai joué contre Malmo, dernier de la poule avec 0 points, alors que moi je suis premier de la poule avec 12 points. Bon, ça devrait être facile. Allez, conférence de presse, c'est parti! Grazie a tutti per essere intervenuti. Possiamo dare inizio alla conferenza stampa. Bah oui, il va marquer aujourd'hui, bien sûr. Moi, je vais essayer de faire jouer Greenwood. Je vais essayer de faire jouer Greenwood parce que c'est un jeune quand même. Faut essayer de le faire jouer beaucoup. Oh bah tiens, ils m'ont mis une question en italien, en sérieux, je comprends rien, moi. Non, mais franchement, il y a eu un bug pendant 2 secondes. Bon, allez, c'est parti. Alors, je vais choisir les maillots, ça charge. Alors, je vais choisir les maillots. Bon, ben, maillot domicile. Ah, quoique. Non, parce que... Ils sont bêtes, parce que l'équipe adverse, ils ont maillot domicile bleu et maillot extérieur bleu. Donc, ils sont vraiment très débiles. Bon, je vais prendre mon maillot blanc et je vais leur mettre celui-là. Alors, ma compo. Ben, je vais rien changer, juste Greenwood que je vais mettre à la place de... Hudson-Odoi. Hop, voilà. Griezmann sur la droite. Ah mince, il est gaucher. Tant pis, c'est bien joué de son mauvais pied. Il a 3 étoiles sur 5. C'est parti. Désolé si je parle beaucoup. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez que je parle un peu moins. Bon allez. Un bon 6-0, ça ferait plaisir. Oh là là, mais je m'en fous de l'entraînement, moi, punaise. Je veux que ça aille vite. Bon, allez, au revoir l'entraînement. Et bonjour le match. Plutôt décontracté, ces joueurs, ils sont déjà qualifiés. Bon, je vais peut-être plus parler parce qu'il y a les commentateurs. Les commentateurs, je veux dire. Désolé. Vous les entendrez. C'est parti. Football. Bienvenue à Naples. Pour commenter ce match, Pierre Ménès avec moi, l'UEFA Europa League à l'honneur, avec un match de groupe, le Napoli contre Malmö. Les locaux qui vont essayer aujourd'hui de décrocher la première place dans leur groupe, s'ils y parviennent, ils seraient opposés à un club qui aura fini deuxième de son groupe. Allez, Pogba. Paul Pogba. Ah oui, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Il va pouvoir centrer. Oh, dommage. Griezmann, il marque presque jamais en plus. Il marque pas souvent. L'équipe va être organisée en 4-2-4 hein, pour cette rencontre. Peur, un système de plus en plus rare sous cette dénomination. Tac. On a plutôt tendance à dire... Oh, quel arrêt du gardien, mais ça m'a fait peur tout de même. D'une parade miraculeuse pour rattraper ce ballon. Le gardien qui s'en empare facilement, finalement. Ouais, il faut quand même vraiment saluer le boulot du gardien sous cette action. Il a été monstrueux. Fabian. Fabian. Antoine Griezmann. Hors-jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Ouais, sur le film et il est hors-jeu sur cette situation. Bon, désolé des petits réglages que j'arrive pas à faire là, ça m'énerve un peu. La première place du classement. Et avec oh oui, goal, 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 goal. Lozano, et quand je vous dis qu'il est fort, le jeune. Et oui, Lozano. Je ferme mes petits réglages en attendant. Désolé, je ferme mes petits réglages en attendant. On voit ce but sous un autre angle. Alors, l'entraîneur qui a le sourire et ça se comprend, son équipe est dans une bonne dynamique. 1-0 les gars, ça commence bien ce match, ça commence bien. Bon. Sir Henrix, Eric Larsson. Bon aussi, Malmo, ils ont fait 0 points, ils sont assez faciles à jouer. Si vous entendez des bruits de manette, tout ça, c'est mon cousin.
qui est dans la partie vocale. D'ailleurs, il faut s'abonner à lui parce qu'il est très, il est très gentil. Son pseudo, c'est Minirik34. Ah non, c'est pas Minirik34. Désolé, je me suis trompé. Ah, c'est... je croyais que c'était Rex Flays. Non, non. Mais de manière, je fais pas de vidéo, ça sert à rien. Okay. J'en faisais avant, mais... c'est une histoire ancienne. Bon, bah voilà, mon cousin, ça c'est mieux, je vous entendais. Ballon bien négocié par le gardien. Sinon, comment ça se passe ton match là pour le moment? Je gagne 1-0. C'est parfait ça. Ouais, mais de toute façon, même si je perds, je serai qualifié pour les phases éliminatoires. Non, sans problème pour le gardien. Ah oui, je vous rappelle que c'est de l'Europa League, même si je l'ai déjà dit, peut-être, c'est pas grave. Corner. Le corner, le ballon en pleine surface. Ouh là là. Et le corner, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix là. 27ème minute là, les gars. On a pris l'avantage. Grâce à ce but que nous renvoyons. Corner repoussé par le gardien. Pogba qui centre. Ah, punaise. Dommage. Désolé si chez moi il y a quelques bruits de fond. Hein. J'ai un peu une famille de timbrés. Le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle. Paul Pogba. Oh la passe! Oh l'équerre! L'équerre! Incroyable l'équerre! Vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu, hein? Griezmann, peut-être son but! Oh le deuxième équerre! Non mais qu'est-ce que j'ai moi ça? Eh oui, même les commentateurs ils disent. Commentateur. C'est rare, les équerres. Oh. On va peut-être assister à une contre-attaque. J'ai fait deux équerres en quelques minutes là. Enfin, minute du jeu, hein, parce que ça en quelques secondes. Chercher une solution là. Cette contre-attaque est déjà terminée. Lozano, attention. Petit crochet. Ouais. Ça ne donnera rien. La défense est bienvenue. Oh, Greenwood. Dangereuse cette attaque. Oh là. Pas de risque. Il est tombé comme. C'est dégagé en touche. C'est pas quoi dire. Pogba. Il y a des options dans la surface. Et oui, il y a des options dans la surface. Oh, le tir. Dommage. Et c'est pas fini, hein. Si, c'est fini. Le ballon touche. Dégagé au large. Bon, voilà, la mi-temps dans même pas une minute. Je gagne 1-0. Pogba tire beaucoup de loin. Bon, je pense, vous vous dites, avec une équipe aussi forte que Naples, avec des aussi bons joueurs, comment je peux gagner que 1-0? Mais bon, c'est mon premier match, je suis pas très chaud. Voilà, mi-temps. Mi-temps bon, je vais changer juste parce que pour faire jouer un peu l'équipe, vu que ce match n'a pas beaucoup d'importance, il n'en a pas du tout même. Donc, Godson Odoi rentre à la place de Griezmann. Zielinski à la place de Fabian. Et enfin le petit jeune Elmas, il a 21 ans, il a 77 de général à la place de Pogba. Désolé Pogba, je sais que t'es fort mais il faut faire jouer tout le monde. Alors je reprends. Deuxième mi-temps, c'est reparti. C'est le début de cette seconde période, Pierre. Tu fais trois changements directs. Oui, j'ai peur. Ils veulent se qualifier et qui doivent maintenant prendre des points. Hein. Erdal Rakip, il cherche des solutions là. Allez, il y a de l'espace devant lui. Et le gardien qui écarte le danger. Donc je ferai plusieurs vidéos sur l'Europa League comme ça. Allez, donc, plusieurs fois. Donc vous verrez tout le monde Europa League. Cette équipe, elle a failli se faire rejoindre au score sur cette action. Mais le gardien a assuré. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? Oh là, il a fait se prendre un carton rouge, il le touchait lui. Encore hein. Mieux autour des vestiaires. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Edson Odoi. Zielinski, eh ben les deux qui viennent de rentrer. Pereira, oh là là, le défenseur qui s'enflamme. Et il centre. Dommage. Elmas, le jeune. Est-ce qu'il s'enflamme lui aussi? Et non. Il repasse pour Pereira. Qui repasse pour Elmas. Oh là là, contre-attaque, car c'était mal joué de mon côté. Fouad Bachirou.
Et c'est bon, c'est repris. Lozano, attention, qui a déjà marqué en première période. Et petit crochet. Petit crochet Pavard. Désolé. Allez, gagne ton duel. Hudson-Odoi. Attention, Hudson-Odoi. Greenwood qui passe à Gabriel Jesus. Et qui tire ? Oh là là, il a tiré dans le pied de l'adversaire. Qui n'a pas bougé. Oh, le tacle ! Le tacle de Elmas. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, le joueur adverse qui est à terre, je crois qu'il l'a blessé. Bravo le jeune. Il a blessé, non mais quand même. Ah, il est toujours à terre, hein. Aïe, aïe, aïe. Il est blessé, je crois. Allez, Greenwood. Pour Gabriel Jesus. Qui repasse à Lozano. Doublé de Lozano. Eh oui. Goal, 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 goal. On le revoit une fois. La Gabriel Jesus qui fait la passe pour Lozano. C'est la 72e minute. Le match est bientôt fini. Ouf, c'était chaud ça, vous l'avez vu, je pense. A priori, Alexandro, attention. La possession du Zielinski côté de Naples, c'est assez net sur ces qui images. Passe pour Hudson-Odoi qui n'arrive pas qui à attraper sa balle. De la part de cette équipe qui est en train de gagner la bataille du milieu de terrain. Ah, Elmas qui s'est pris un jaune, on le voit là. Bien, il gagne son duel. Elmas pour Gabriel Jesus. Qui tire. Et le gardien qui fait un bel arrêt. Corner. Frappé par Zielinski. Elmas. Qui perd ce ballon. Koulibaly, attention, Zielinski. Pour Gabriel Jesus. Et c'est contré, je crois. Et oui, c'est contré. Corner tiré par Zielinski. Attention. 80e. 2-0. Je pense que c'est gagné pour moi. Lozano qui a marqué un doublé. Est-ce qu'il va marquer un triplé? Non. Il marque pas de triplé. Elmas, attention. Lozano. Lozano qui s'avance et qui tire. Oh non, c'est à côté quand même. Hein. La Malbeu qui va procéder à un changement, Pierre. Hervé, on va voir si ce changement modifie le cours du match. Les gars, il reste un peu moins de 5 minutes là. 4 minutes à jouer. 4 minutes, ils viennent le dire. Intercepté, le ballon est perdu. Hudson-Odoi, attention. Gabriel Jesus qui passe pour Hudson-Odoi. Greenwood. Et il était hors jeu. Même s'il n'a pas attrapé la balle, s'il l'a attrapé, il serait hors jeu. Touche, Hudson-Odoi. Zielinski, temps additionnel. Gabriel Jesus. Encore contré, mais c'est pas passé loin. Il reste. Ah ben non, c'était pas contré. Désolé. Il reste une minute de temps additionnel. Je pense qu'on a gagné, c'est même sûr. Car voilà. Match terminé. Victoire de Naples, mon équipe. Donc voilà. Continuez. Bon, je vais pas faire l'interview pour pas vous embêter avec mes interviews, tout ça. Je te coupe deux secondes, t'as gagné 2-0. 2-0. Mais bon, ils étaient pas forts les autres, hein, vraiment. C'était les derniers, ils avaient 0 points. Ah oui, quand même. Bon, à force de parler, j'ai. Ouh. Bon, voilà, un petit message de Lozano qu'on va répondre tout de suite ensemble. Tu me fais plaisir, allez. Voilà, donc je vais reprendre la Serie A et ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Ah bah tiens, carton rouge pour Fabienne, c'est vrai, la dernière fois. Bon, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo et j'ai hâte qu'on en fasse d'autres. Que, ouais. Bon, bah je vous dis à bientôt alors. À plus.